Hello les gens, c'est Gilned et nous voici pour un nouvel épisode de Kingdom Hearts 1.5 Remix sur PS3 évidemment. Nous sommes dans Agrabah et nous devons aller sauver Jasmine car évidemment Jafar le recherche. Enfin, la recherche avec Maléfique, il me semble. Donc voilà. Et ben c'est parti, allons-y. Désolé, je réglais juste un truc. Y'a pas un peu d'argent? Pas un peu de ménise? Ok, ça veut dire non, y'a rien du tout. Bon ben on y va. Ah, ça commence fort. Enfin fort, des petites ombres, ça va. Donc là nous étions dans la remise d'Agrabah. Ah. Y'a un Donald. On va explorer toute cette zone. Il va y avoir des trucs intéressants. Ah, attendez alors. Dans ce cas. Ah ah. Méga éther. Ah oui, évidemment, vous l'avez peut-être compris, mais dès qu'il y a l'appellation. Descends. Dès qu'il y a l'appellation méga, ça veut dire que l'objet s'applique à tout le groupe. Conséquent, méga éther. Tout le groupe va récupérer des points de magie, méga élixir, tout le monde va récupérer des points de vie et des points de magie. Et je ne peux pas aller plus haut. Et ben on va continuer dans la rue principale. Oh, il va y avoir du monde, j'en suis sûr. C'est que là, il y a là. Ça sera utile plus tard et j'ai vraiment hâte. Oula, se met à apparaître toutes les attaques. Oula, c'était quoi ça? Mais... Arrêtez! Bah attends toi. Oh là là, il y en a partout. J'aime pas les ombres. Et lui, il attendait sagement son tour. Des munis, plein de munis. Non, on va pas y aller de suite. Je vous dis, on explore d'abord la zone et puis après, on choisit un endroit où aller. Oh là! Oh, ce piège! Au revoir! Arcnocruche. Cruche changée en sans-cœur par le pouvoir des ténèbres. Eh ben. Ça s'appelait comment les autres là déjà? Ah oui, les bandits. Les bandits. Alors, bon, et ben on va se méfier de tout ça maintenant. La ruelle, non, pas de suite. Ah, j'en étais sûr que c'en était une. J'imagine que celle-là aussi. Elle donne quand même pas mal de munis à la fin, mais pas autant qu'une vraie cruche, malheureusement. Non, je pourrais pas sauter assez haut pour ça. Par contre, là, je pourrais pas sauter assez haut non plus, mais je peux descendre en bas. Et bien, évidemment, tout est bouché. Encore un méga éther. Et nous allons monter par là. Ça m'intrigue quand il y a des points d'interrogation. Petit coffre. Oh bah bloc ciseau, non mais c'est pas important ça, c'est ça l'important. Salut toi. Et oui, c'était tapis. Mais oui, souvenez-vous. Poussé. Oh bah tiens.
Ouais, une serrure, une clé, ça a forcément un truc. Encore un coffre. Ouh, ça c'est bon, un méga elixir. Histoire de récupérer les points de vie. Ça mène où ça? Entrée de la ville. Allons-y. Ah ah. Je sens que ça va se casser ce truc. Faut pas tomber, pas tomber, ne pas tomber. Ne pas tomber. Pas comme toi. Ouais, alors là ça commence un peu à m'énerver. Reviens ici. Parce que je sens bien le coup du par derrière pendant que tu vas faire ton saut. Bon, bah non, tant pis. Et puis on va tenter. Yeah. Non, 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 ne pas tomber. Oui, je stresse. Ah, oh, je peux pas l'ouvrir tant que je suis en combat. Oh, tout ça pour ça. Bon, on va au moins explorer ici. Sympa comme monde de pouvoir accéder aux zones comme ça en rusant. J'aime bien moi. Matière noire. Qu'est-ce que c'est? Minéraire rare trouvé dans une lune bleue. C'est à la fabrication. Rareté 5 étoiles. C'est encore plus rare qu'un oricalque. Eh ben. Et je vous avoue que je me souviens même plus à quoi ça sert. Là on sait où ça mène. On va aller par là. Who's there? Hello? Salut Jasmine. Mon père est le sultan d'Agrabah. Cela fait de toi une princesse. You don't say. Mais il a été détrôné par Jafar qui contrôle toute la ville à présent. Jafar, oui, le méchant Jafar. C'est le grand vizir, il a acquis un grand pouvoir diabolique, il y avait pas grand mais c'est pas grave, et s'est emparé d'Agrabah. Il cherche désespérément quelque chose, il parlait d'une serrure. Jafar m'a attrapé lorsque j'essayais de m'enfuir. Qui t'a aidé? Aladdin. On se cachait près d'ici, mais il a été obligé de partir. J'espère qu'il va bien. Aladdin. Where might I find this street rat? Le scélérat. Jasmine, allow me to find you more suitable company, my dear princess. These little rats won't do, you see. Jasmine, run! Ah, the boy who holds the key. Allez, on va défaire ces bandits et retrouver Jasmine et poutrer Jafar. Ah. Oh, level up. On va pas détruire les caisses, ça peut servir. Ah et voilà. Merci Donald. Pour s'en sort foudre. Parce que vous voyez, je sais pas si sans la caisse j'aurais pu l'atteindre ce passage. Par contre, j'ai vu que j'avais gagné des points de compétence. Et ça augmente les points tech obtenus en parant les attaques. Très bien. Ok, c'est bon. Ah, ça m'énerve ça. T'énerve.
Ouais, je ne peux pas accéder par là-bas. Eh ben, on va continuer. En contournant les débris qu'il y avait, qui bloquaient le passage. Enfin, qui bloquaient avant le passage. Ah bah non, on est revenu dans la... Bon. Ça, c'est toujours bloqué. Ça, on sait où ça mène. Attendez, ça a ouvert quoi dans tout ça? On va passer par la maison d'Aladin. Ah, c'était la maison d'Aladin, d'accord. Bon. Et en passant par là, ça nous mène où? Aucune importance, d'accord. Bon, bah, on va repasser. Et bah, par la maison d'Aladin. Désolé, les gens. Que ça aurait ouvert un passage par là. Non, on est d'accord. Je sais pas. Je suis perdu, je sais pas quelle porte ça a ouvert. C'est pas dans la ruelle. Bon, les sans cœur, ils sont là. Oh là là. En plus, là, j'ai aucune envie de me battre. J'ai monté d'un niveau, ça me suffit. Bon, et ben vous savez quoi? Moi, je m'en vais. Quand je dis que je m'en vais, c'est que je m'en vais. On va passer par le désert. Salut Tapi. Je sais pas pourquoi je suis pas confiant, je suis désolé mais je vais sauvegarder. Je me souviens plus de ce passage et... Voilà, c'est bon. Ah, niveau 20. Ah, super. On dirait qu'il veut nous amener quelque part. Déroulement d'abord. Salam alaikum, c'est le kiff dans le club du désert. Petite référence à ça, lui, c'est cool. Je vais peut-être pas connaître, mais c'est pas grave. Oula. Faut peut-être pas que je passe. Ah, ça m'énerve. À moi. Ah, le contre est sympa, mais ils esquivent bien. C'est bon. Gorge, not again. Genie, get rid of these guys. Je l'adore, lui. Wish number one coming right up. Oh, ça fait bizarre sans savoir en français, Eugénie. I see. Thanks, Sora. Aladdin, what are you doing out here? Same old stuff, hunting legendary treasure. Just paid a visit to the Cave of Wonders. I found that magic carpet.
Non, on a été au pays des merveilles, mais on n'a pas trouvé de trésor. Legend has it that whoever holds the lamp can summon the... Please, kid, leave the intros to a professional. The one and only genie of the lamp. Rub-a-dub-dub the lamp and have your dearest wishes granted. His winner is Aladdin. Congratulations. Aladdin what? Patience, my fine feathered friend. Any three wishes. Oh, one wish, a two wish, a three wish. Then I make like a banana and split. Hey, il a un certain accent, le génie, en anglais. And let me tell you what a doozy that wish was. So he has two left. So, master, what'll you have for wish number two? How about making me a fabulously wealthy prince? Whoa! Money, royalty, fame. Why didn't I do that? Okay, you asked for it. Oui, just say the word and I'll deliver it in 30 minutes or less, or your meal's free. Hey, I'll even throw in a cappuccino. No thanks. Okay. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's this girl in Agrabah named Jasmine. But she's a princess, and I'm... she could never fall for a guy like me. Princess? Jasmine? Oh, that's right. She's in trouble, Aladdin. What? Well, come on, let's get going. C'est pas que je t'aime pas, Aladdin, mais je vais plutôt garder mes deux compagnons habituels. Pour qu'ils montent de niveau, eux aussi. Fresh air, the great outdoors. I guess you don't get out much, huh? Comes with a job. Phenomenal cosmic powers, itty-bitty living space. It's always three wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or two. Say, genie, what if I use my last wish to free you from the lamp? What do you think? You'd do that? Genie, it's a promise. After we help Jasmine. Mais qu'il est gentil cet Aladdin. Eh ben, de retour ici déjà. Oh là là. Aïe. Ah, tu mets du temps à réinvoquer ton arme. Merci. Les arachnocruches vont me gêner. Ah, il s'est tourné. Ça lui fait pas grand chose hein, comme dégâts. Excusez-moi pour le coup dans le micro. Ouais, mais alors maintenant je passe par où? Oh, je sens ça m'énerver ces cloches. Tout le long du niveau. Oh, ce fail. Je suis complètement ratatiné. Tac, 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 tac. Bout de mitril. Je crois que c'est pas l'objet que j'ai le plus récupéré depuis le début du jeu, ça. Ah, un arachnocruche pour changer. Non, tombe pas. Ah, c'est que ça augmente pas mal les points de compétence, le boost deck. Aïe. Si encore on s'en servir. Cool, la moitié des munitions qui s'envolent. GG dingo. C'est qu'il en a des points de vie lui maintenant. Plus que moi d'ailleurs. Enfin, ça c'est un peu normal.
C'est censé être le protecteur. Vous savez, l'histoire du bouclier, de l'épée, du bâton, tout ça, du début. Ah non. Non. Oh. On va détruire tous ces requiem. Où est-ce qu'il est, lui? Éclat de vie. Intéressant. Aïe. Oula, j'ai plus beaucoup de vie, moi. Et en plus, eux, ils vont me gêner. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, si c'est Dingo ou Donald qui ont massacré le... Le quoi d'ailleurs? Le cracheur de feu? Le rondouillard cracheur de feu? Le rondouillard de feu? Le rondouillard bandit? Le bandit de feu? Non, c'est pas un bandit de feu. Un gros bandit, d'accord. Plus habitué à se combattre que les rondouillards, ouais, on a vu ça, ouais. Ouais, mais eux, ils tournent, contrairement... Ah bah, c'est ouvert. La porte du palais. Ouais, j'ai vu les requiem verts. Bien joué, Dingo. Ah, j'aime pas les ombres. Merci, Dingo. On en récupère dans ce monde-là des minis. Fermé, fermé, fermé. Fermé ? Fermé. Coffre. On verra ça plus tard. Ah bah non, on verra ça, pas ça plus tard, c'est fermé aussi. Et si on nous l'ouvre et que je peux rien faire, à quoi ça sert? C'est peut-être juste pour m'indiquer qu'en fait, il faut que je passe par le haut. Bon bah, c'est ce qu'on va faire. Oui, en effet, les débris ont été déplacés. On peut accéder au souk. Ah oui, c'est pas de suite les portes du palais. Et... On va pas vous laisser comme ça. Ah, Marquillo. Allez, ça suffit, ça m'énerve. Ah oui, je me suis renseigné Aquilon en fait, vous savez de ce que ça vient? Il me semble que... Enfin, je me suis renseigné à moitié, hein. La preuve, je sais même pas dans quelle mythologie c'est. Mais il me semble que c'est censé représenter le dieu des vents du nord. Aquilon, voilà. Donc on apprend des choses aussi en regardant des let's play. Oh là là, que c'est soucieux. C'était juste pour ça? En ce sens, c'est un peu décevant quand même. Je m'attendais quand même à au moins un objet, ou... Sauf si je récupère un objet que je m'en suis même pas rendu compte. Encore un canon à mettre de plus sur le vaisseau. Yumi. Oh, pas de brasier. Nice. Allez. Réduit les dégâts de type feu. Augmente un peu la défense.
voilà. Tout s'ouvre au fur et à mesure. Pas des sous? Non. Des bénises? Non plus. Oh bah tant pis. Oula, oh là là, non. Non, non, non. Ah les enfoirés. J'étais sûr que ça m'arriverait un moment ou un autre. Ah, c'est pas possible. Ah oui, par contre, le monde d'Aladin, c'est franchement pas un de mes préférés. Hein. Il est sympa quand même, mais... Ah bah tiens, ça me donnera peut-être encore une... Ah bah non, ça sert à rien, vous avez vu la hauteur, même si j'arrive à atteindre là-bas. Bon, de toute façon, je pense que c'est même pas possible. Bon, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Je vais tout défoncer, direct. Bon les gars, s'il vous plaît, occupez-vous-en. Merci. Sympathique. D'ailleurs... Oh, t'as déjà la bague... Bon, t'as déjà ta défense feu qui a augmenté, tu vas mettre la carapace plus. Ça va être mieux. Oh, ouais, mais ensuite, je fais quoi? Je me suis dit qu'il y aurait une suite, quelque chose, mais non, visiblement. Mais pourquoi est-ce qu'on est revenu ici si au final il n'y a rien à y faire? Ok, fallait juste aller ici. Donc Jafar recherche Jasmine et cette serrure. Serrure, j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est vrai ou ça? Ouais, et puis on va arrêter Jafar au prochain épisode. Moi je sens, vu que ça commence à faire un petit bout de temps là. Je me suis un peu perdu dans cette ville, mais maintenant je commence à mieux la connaître, à mieux voir par où il faut passer, tout ça. En fait, j'en ai aucune idée. On verra ça au prochain épisode. Allez, ciao les gens!